Salut, ici Missing. On se retrouve pour l'épisode 120 du Challenge Apocalypse. Donc, de l'épisode précédent, Nara nous a quittés. Donc, tout le monde est de nouveau complètement déprimé. Les bébés aussi, mais ça, c'est parce que c'est des bébés. Hein, y en a trois, on se rappelle. Hein, premier triplé de toute ma vie, on va dire. Et du coup, comme ils étaient déprimés, bah Augustus est parti au travail déprimé, donc je pense que cette journée de travail ne va pas être très très productive. On va espérer que on arrive à faire disparaître ces moodlets, qui maintenant, je le rappelle, apparaissent, même s'ils n'assistent pas au décès. Donc lui, je crois qu'en plus, non, il a perdu une bonne amie et il a perdu un ami. Donc il y en a eu deux, je sais pas s'il a perdu quelqu'un. Parce qu'en plus, on les a aussi si jamais il y a des connaissances à eux qui meurent. Donc c'est plus vraiment le bon plan de parler à tout le monde dans le quartier. Bon, toi, t'es complètement déprimé. Ce qui serait bien, du coup, c'est que toi, tu ne sois plus déprimé et que tu reviennes... Que tu puisses... On va vaporiser le monstre. On sait jamais. Qu'est-ce que je disais du coup? Je disais, ça serait bien que tu sois plus déprimé et que tu puisses consoler les autres parce que ce serait quand même pas mal. Donc au niveau de la météo, du temps, on est bientôt en hiver. Il va falloir que j'achète une cheminée au moins. Il nous reste 2 jours. Donc aujourd'hui il pleut. Enfin c'est la fin de la journée. Donc en fait il nous reste 1 jour. C'est l'anniversaire de Augustus et des jumeaux, donc ce sera demain. Et après on part en hiver, donc comme je disais, quand on arrive en hiver, on va passer à 28 jours. Et donc on va rester du coup sous la neige pendant 28 jours. Donc on va profiter un petit peu de regarder une dernière fois. Augustus anime un événement de presse spécial pour le lancement d'un nouveau produit. Il est à fond dans son sketch et détruit littéralement la concurrence lorsqu'il se rend compte qu'il est en train de critiquer la mauvaise entreprise. Il peut continuer en faisant comme s'il le faisait exprès depuis le début, ou changer de sujet rapidement et espérer que les gens ne remarqueront pas sa gaffe. On va continuer, bon c'est pas grave, il a perdu de performance, trop bien, j'aurais dû quitter, je sais pas ce que ça aurait donné. Donc je disais, on va rejeter un dernier coup d'œil à cette magnifique carte avec de l'herbe, des arbres, des fleurs et tout ça, parce que c'est un peu la dernière fois. Voilà, voilà. Venez voir, est-ce qu'il y a de nouveau des pommes? Ouh, il y a des pommes. Ah, mais c'est pénible. Alors je ne sais pas ce que tu faisais, je sais pas pourquoi tu dormais exactement. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas vaporiser le monstre, s'il te plaît. Non, 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 mais... Venez ici, venez voir. Et ici, hop. Bon, c'est le week-end, donc c'est pas trop grave, mais voilà. Super. Bon. Voyons voir. Est-ce que je sais pas. Alors, voilà, on va les remettre au lit quand ils pourront bien être. Ah oui, bah alors ça va pas t'aider ça. Tu vas aller pleurer un petit peu. Voilà, toi tu consoles, on est content. Tu vas pouvoir dormir. Non, pas toi. Non, pas là, pas là, pas là. Tu vas pouvoir dormir. Et toi. Non. Bon, c'est pas grave, vous allez changer. Bon, ah, on va y arriver. Donc, vous allez dormir tous. On va le laisser pleurer un petit peu, c'est pas grave. Je sais pas quand Augustus revient. Ah, il revient à minuit, mais bon, on va peut-être pas laisser pleurer alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ta couche, sinon tu vas arriver et les autres... Non mais, ne dors pas. Va changer la couche. Et ensuite... 22h, on va encore repleurer un coup. Ça lui fera du bien. Il y en a un autre qui pleure, c'est ça? Non, ne dors pas, ne dors pas. Pleure. Pleure. 20h, pleure un peu, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse libérer Augustus. Oh, il pleut, il pleut. Change la couche. Fais un truc pour lui. De toute façon, je peux pas te donner... Ouf, niveau 9. Parle-lui. Je peux pas te donner quoi que ce soit, en fait. J'ai pas le droit. Donc, il va falloir que tu attendes un petit peu. Oh, bah, voilà, il a pas aimé. C'est lequel qui pleure, maintenant? C'est lequel qui pleure, en fait? Ah, c'est toi. Mince, je suis pas sûr que changer la couche ça va changer grand chose. Fais une grimace, parle-lui. Dodly, Berce. Allez, vas-y. Voilà. Ah, et c'est maintenant que ta couche elle est sale, toi.
Voilà, vas-y. T'as combien de temps maintenant? 18. Ah, c'est pénible. Cherche sa couche. Bon, allez, hein, vous allez attendre 2 secondes. Voilà. Voilà, votre père est là. Vas-y, va le nourrir. Attends, il a encore volé. Bon, il a pas avancé du tout, c'est génial. Il a encore volé des assiettes sales. Nourris-les. Nourris-les. On va espérer que. Ça retarde sa promotion, tout ça. Ça retarde sa promotion. Surtout qu'on a une perte de performance, alors. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se débarrasse de ça, là, parce que. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Fais une grimace, berce-le. Il pleut! Je sens qu'on va pas avoir beaucoup de pluie pendant 28 jours, là. Ça va m'attrister. Non, mais c'est pas possible, ils sont jamais contents! Qui est qui, là? Attends, t'es qui, toi? Rowena, t'es où? Toi, t'es Tiberius. Ah, ben, c'est toi, alors voilà, vas-y. Et tu vas laisser dormir ton papa, s'il te plaît, voilà. Hop. Allez. Tout le monde dort, on est content, il n'y a pas de fantômes. Il fait froid. Par contre, il fait beau. Éventuellement, on va peut-être commencer à acheter une cheminée. Hein. Je sais déjà où la mettre, on va la mettre là. On va voir si ça, une cheminée, ça suffit. C'est quoi ça? Oh, qui c'est qui a laissé encore traîner? On va voir si une cheminée, ça suffit, mais je doute. Enfin, je doute. Après, c'est pas grave, ils mettront leur tenue. Leur tenue normale. Alors, décoration, cheminée. Bon, de toute façon, elles ont rien de spécifique. Hein. On peut acheter un peu celle qu'on veut. Alors, on va devoir bouger ça, par contre, du coup. Hop. J'aime bien celle-là. Parce que celle-là, elle fait un peu beaucoup basique, quoi. Parce que, quoi, mais ils ont pas de. Ah si, environnement. Ah oui, bah non, je peux pas alors. Environnement 4, environnement 5, 6, 6, 7, 7. Bon bah je vais être obligé de prendre l'autre, hein, ou alors on prend une de Noël. Ah, je suis déçu. Bon, environnement 3. Ah, on peut prendre soit celle de glamour, du kit glamour, soit celle. Bah on va peut-être pas prendre celle du kit glamour, hein, parce que ça fait un peu trop. Bah on va prendre la basique, hein. Je suis déçu. Qu'est-ce qu'on peut. Ah, attendez, on va juste un peu de couleur, parce que je veux voir ce que ça donne. Bon, mais celle-là, hein, ça va avec le reste. On va espérer que rien ne brûle hein, quand ils l'allumeront. Pour l'instant, on va en mettre une. On va voir un peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah. Attendez, 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 attendez. Tu t'es pas censé dormir. Bon, écoute, tant pis. Voilà, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une pomme. What? Ah, j'ai peur. J'ai cru que le bas c'était le coffre. J'ai dit, mais ils ont tous les trucs. Donc, on va prendre une pomme. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout nettoyer. Ça te fera monter tes manières. Toi, ta couche a besoin d'être changée. Mais tu vas attendre un petit peu quand même. Hein. On va laisser ton père dormir. Voilà, donc ça c'est bon. Tu vas pouvoir manger. Éventuellement, ce qui serait bien, c'est que tu n'aies plus du tout ton moodlet. Toi aussi, tu vas pouvoir manger. Hop, prends une portion. Toi aussi, tu vas pouvoir manger. Prenez tous des portions, allez-y. Ne vous gênez pas, c'est là pour ça. Allez, vas-y, va prendre ta portion. Voilà. Oh là là, après, on va avoir 3 bambins à gérer, quoi. Ah, je sais pas si je suis prêt encore à ça. C'est bon, vous pouvez tout manger, on est content, voilà. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller pleurer. Non, attends. Tu vas changer sa couche et tu vas aller pleurer. J'ai oublié de descendre la tombe de Nara. C'est magnifique, la pauvre. Hop, mince. Ah, raté. Hop. Attends, tourne-toi. Là, Nara. Et Nara, elle a fait quoi comme boulot? Nara, elle a fait quoi? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Ouh là là, je sais même plus. Gros trou. Gros trou de mémoire. Qu'est-ce que Nara a fait comme travail?
Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Oh là là, je sais même plus. Oh, c'est grave. Bon, qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Non, 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 non. Tu vas nettoyer ça d'abord. Hop. Ensuite, tu vas faire ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que t'as B à l'école? C'est quand ton anniversaire? Tu vas aller faire tes devoirs d'abord. Et toi, tu vas laisser les enfants tranquilles. Tu vas aller aux toilettes. Ah, pardon, tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre un bain. C'est bien, c'est gentil. Tu dis bonjour à ton cousin, je crois. Ah, il a besoin d'être changé. Attends. Va changer, s'il te plaît, parce que j'en ai marre de l'entendre. Non, mais laisse. Vas-y, va, va là-bas. 9h. Est-ce qu'on peut essayer de le faire descendre encore plus? Voilà. Super. Non, mais si on avait un chien, on pourrait faire ça. Remarque qu'on pourrait avoir un chien, mais j'ai peur que ça prenne trop de place. Tu arrêtes de dormir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as? Tu as froid. Ah mince, tu as froid en plus. Non, mais lève-toi. Lève-toi. Tu peux te lever, s'il te plaît? Ah, j'ai cru que c'était le truc qu'ils faisaient pour aller à l'école. Tout à fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre une douche, tu vas faire du travail. Toi, t'as fini? Super. Tu vas faire tes devoirs. Et toi, si tu pouvais te lever, en fait, ça serait bien. Ne dis pas qu'il est bugué. Tu te lèves ou pas, toi? Ah, ils sont pénibles de pleurer toutes les 5 minutes, là. On va essayer un truc. Réveille-le, s'il te plaît. Oui, allez, vas-y, va le réveiller. Bon, t'as perdu un Moodlet, c'est déjà ça. C'est qui pleure? Toi, change-lui sa couche. Ah, ça y est. Non, par contre, non. Pleure. Toi, va lui changer sa couche. Voilà. Ensuite, tu vas aller manger, tirer aux toilettes après. Toi. Non, alors tu arrêtes de vouloir dormir. Ah, oh, ils sont pénibles ces gamins. Hein. Ils vont attendre un petit peu. On t'en est où? 5 heures, super. Va pleurer encore. Tu vas pouvoir guérir tout le monde après. Enfin, guérir. Tu vas pouvoir remonter le moral à tout le monde. 4 heures. Non mais. Non mais dors pas. Tu es pénible. Tu es pénible. Réveille-toi. En plus, il reste bloqué. Tiens, va réveiller ton père. C'est pénible ça par contre. Qu'ensuite, tu iras faire ça et ça. Bon, tu le réveilles ou pas? Voilà, super. Non, pourquoi placer dans le monde? Ah, tu peux pas faire tes. Mais il est pénible lui. Hein. Ton but aujourd'hui, c'est d'enlever ce Moodlet. Ok? Tiens, toi, va jouer avec ça. Et toi, je te surveille. Tu ne. Ah, attends. Mince. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'avais peur qu'il aille dormir. Pleure, voilà. Toi, oh, toi ça va. Mais il est passé où ton Moodlet? Ok, bah moi ça me va très bien ça. Oh bah en fait non, bah tu peux dormir si tu veux. On s'en fiche. Tu peux dormir. Et toi aussi tu l'as perdu? Non. J'ai pas envie d'allumer le feu s'il y a personne. Allumer le feu. Bref, aujourd'hui c'est la journée des chansons. Mais j'ai pas envie d'allumer le feu si Augustus va travailler après. Et qu'il n'y a personne pour surveiller les enfants. J'ai entendu parler de ton amitié. Super. Attends, alors d'abord. Ah, ils sont tous en train de pleurer à l'unisson. C'est magnifique. Alors tu vas le nourrir. Tu vas nourrir. Tu vas nourrir. Allez hop, c'est parti. Bon, c'est pas si terrible que ça. Mais non, mais. Toi, va jouer. Alors, en plus, super. Si en plus ton nounours il est malade. Mais oui, mais en plus si tu bloques ton. Oh là là. Chut, on se calme. Chut, les enfants. Super, là, hop, tu bois. Super, tu pouvais dormir après. T'as fini? Attends, 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 attends. Si, vas-y, va. Va jouer aux échecs, ça t'occupera. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais je pense que les deux jumeaux qui font rien actuellement, qui font rien. Alors, c'est le qui pleure. Rowena, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle est chiante.
Les deux jumeaux qui... Enfin, il y a un des jumeaux qui, je sais, on a dit qu'il allait faire... On avait dit qu'il y en a deux qui feront les carrières... les carrières dans le jeu vidéo et la programmation. Qu'il y en a un qui ferait la carrière dans les affaires, et je pense que les deux autres, ils vont faire la carrière, ils vont débloquer les carrières dans l'espace, les astronautes, parce que il y en a une qui permet d'utiliser les objets avec aura, et l'autre qui, et je crois que les récompenses de carrière, et l'autre qui permet de placer des objets dehors. Donc je pense que ça peut être plutôt utile. Ah, il va falloir faire le linge. Bah écoute, quand quelqu'un se lèvera, il ira faire le linge. Ça devient le bordel. On a perdu Nara et Eileen. Et les mecs, ils laissent le bordel partout. Je sais pas pourquoi ça m'étonne. Il fait toujours froid ou pas? Pourquoi t'as pas froid, toi? Bon, j'imagine que... Ceci dit, toi t'as ton manteau... Toi t'as... Non, bah il doit plus faire très froid là. Il te reste 22 heures et toi, il te reste 22 heures. Mais pourquoi tu pleures dans ton lit? Ah, t'as envie de parler. Tu veux pas aller jouer aux échecs avec ta sœur? Et vous allez pouvoir parler un petit peu en même temps, demander conseil, discuter des centres d'intérêt. Je sais pas si vous vous connaissez bien en fait. S'enthousiasmer à propos des bonbons, parler de l'école. Parler du temps ensoleillé, je sais pas s'ils s'entendent. Ah, bon, ça va. C'est sa sœur et c'est son ami. Et qu'est-ce que tu fais au niveau de tes enfants? C'est un bon ami et bon ami. Ils sont tous bon amis, c'est génial. Même bons amis. Ah, j'avais oublié que t'avais une. Dans 5 heures. Donc, quand t'auras. Ouh, j'espère qu'il va pas aller. Tu travailles à quelle heure? Tu travailles à 17h, je crois que mon anniversaire c'est à 17h. Ah là là, ça serait accumuler les trucs. On verra. Je laisserai un petit peu. Ah bah justement, tu voulais finir un livre. Tiens, alors attends. Et ici, tu vas aller parler avec monsieur. Vas-y. Ah non, bon, même si. Oh, c'est un nouveau lui. Si tu pouvais t'arrêter par contre, monsieur. Eh, monsieur, tu t'arrêtes? Non? Arrête-toi! Bon, tu m'énerves, on va aller parler à elle. Bonjour! Enfin, j'imagine que c'est elle, hein? Oui, c'est elle. Mais pourquoi ils s'en vont tous? C'est pénible! Mais non, mais tu dois pas y aller, je t'ai même pas parlé! Non, mais. Je sais même pas pourquoi t'es si heureux que ça, en fait. Je sais même pas. Ah bah quand même. Bonjour, comment allez-vous? Donc, madame, on va te raconter des blagues, tu vas voir, c'est trop cool. Drôle, oh, ouf, offrir un cadeau amusant. Bon, attends, tu vas offrir ton cadeau. On va voir ce qu'elle en pense. Allez, salut. On est content. C'est trop trop bon, n'empêche. Je sais pas si elle a beaucoup aimé. Je ne sais pas. Non, attends, restez là. Elle a pas aimé. Et lui, il a pas trouvé ça drôle. Alors, je ne sais pas si du coup la suite logique, faire une blague grossière, c'est très. Bonjour monsieur. Drôle, raconter une blague. Drôle, faire une imitation. Elle est pas très drôle. Drôle. Je sais pas pourquoi je lui fais parler avec une personne âgée qui va sûrement le rendre triste quand elle va mourir. C'est génial. Je sais pas ce que je réfléchis pas. C'est triste quand même. Drôle, raconter une histoire scandaleuse. Drôle. Non. C'était pas drôle ça. Faire les yeux ronds. Drôle, raconter une histoire drôle, drôle, faire une blague, drôle, hop. Alors, mince, les enfants, à mon avis, sont plus en train de jouer. Non, pas amour, drôle, une blague. Ah, mais ils discutent encore. Alors, vous en êtes où? Bon, très bien. C'est déjà périmé, ça, super. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas exprimer tes pensées mélancoliques et toi tu vas faire pareil.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils vont attendre. Hein. Ça va 5 minutes, hein. Hop. Ça forge le caractère. Drôle. Blague de type Toc Toc qui est là. Ce serait bien qu'ils grandissent. Elle est imprévisible. Ah oui, j'avais oublié qu'ils avaient changé le nom du trait. Ça fait bizarre. Imprévisible. Ils l'ont pas rechangé encore. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils l'ont re-rechangé. Voyons voir. Parce que c'était pas imprévisible. C'est, je crois que ce qu'il y avait, c'était carrément... Tiberius a vieilli. Ouh. Alors. Pourquoi Izumi en... C'est qui Izumi? Bref. Donne-moi un chiffre entre 1 et 8. Le résultat est 3. 3. 1, 2, 3. Indépendant, magnifique. Hop. Donne-moi un chiffre entre 1 et 8. Le résultat est 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Curieuse. Wouh. Donne-moi un chiffre entre 1 et 8. Ça fait 2. 2. 1, 2, espiègle. Génial. Donc, on va aller voir un petit peu leur petite boubouille. Alors, on en a toutes les couleurs. Hein. On a une brune, un brun, une brune, un cheveu noir et un brun. Un brun ou un roux? C'est quoi ça? Je sais pas. J'hésite. Ah non, c'est une rousse. Mais non, c'est un roux, c'est un garçon, c'est vrai. Donc, oh là là, mon dieu. Oh là là, et qu'est-ce qu'elle fait là, la guitare? Qui l'a mise là? Qui l'a mise là? Oh là 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 là. Oh là là, mon dieu. C'est là que les ennuis commencent. Oh mon dieu. Je sais pas comment on va faire, mais... On va devoir le faire. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? Tu nous l'as refait, en fait? T'as décidé de ressortir de ton berceau, c'est ça? Ah là là, désolé hein, pour les pauses et tout ça. Bon. Hop. Ouah, je sais plus ce que je fais. Rowena vieillit. Ah, les bambins, ces petits sims passent leur journée à jouer, à explorer le monde, à apprendre à communiquer avec des mots plutôt qu'avec des larmes. C'est l'âge idéal pour leur main. Super, Octavius. Mais du coup, c'est qui Izumi pour eux? C'est qui Izumi pour eux? Ah, voyons voir. Hop. Non, viens ici. Ah, c'est leur grand-mère. D'accord, ok, donc c'est normal. Tout est normal. Alors, bah pour l'instant, on va laisser billet comme ça. Hein, j'irai l'échanger entre deux épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Écoutez, vous allez parler entre vous. Pourquoi vous êtes triste? Qui est mort? Deux jours, perd une amie. Mais qui est mort? Non mais, pff, c'est chiant ça. Je sais pas si on peut leur remonter le moral ou pas. 18h. Oh là là, ça va être nous. Donc ils ont pas envie d'aller forcément sur le pot. Toi t'as faim. Toi t'en es où? Oula. Bon écoute, toi tu vas te lever. Et ensuite, mais t'avais pas mangé tout à l'heure? Bon bah tu vas faire à manger. Tu vas aller nettoyer. Tu vas faire la lessive quand t'auras fini. Griller des fruits, voilà. Pendant ce temps, ils ont qu'à se parler, hein. Mince, si je clique sur elle, ça va pas le faire. Plus de choix, amical, babillé. Et toi, tu vas t'y mettre aussi. Non mais arrêtez de pleurer, vous allez me saouler. Donc toi, plus de choix, drôle. Non, t'en vas pas. T'en vas pas. Oh, bon. T'en as pour combien de temps là? 9h. Pourquoi t'es triste? Bien contre le mal. Ah, bah a priori, elle est bienveillante.
Toi, tu veux la... Non, tu veux pas la regarder. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une sieste. Tu peux poser qui ici? Ah, tu peux poser les sur le canapé. Je savais pas. Tu fais quoi, toi? Tu te lèves, on t'a dit. Toi, non, toi c'est pas toi. J'ai déjà trop, je m'y perds. Toi, exprime tes pensées mélancoliques et toi aussi. Bon, tu te lèves, monsieur, truc là que. Bah, t'as été inspiré, dis donc. Mais si vous deviez parler, en fait. Ah. Bon, écoute, t'as qu'à babiller pour toi. Non, ce que vous allez faire, vous allez déambuler, ça vous occupera. Ah, déambule. Et toi, bah, va jouer. Ça va être compliqué, tout ça. Ah, ça va être très compliqué. Bon, toi tu fais manger, super mince. J'aurais peut-être dû leur dire à quelqu'un de nettoyer. C'est vraiment le bordel. Mais oui, Rowena a vieilli, on le sait. Il te tente un peu de mal, mon petit. Enfin, j'ai cru que c'était déjà les enfants qui avaient gagné une incompétence. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas pas jouer. Tu vas déambuler, s'il te plaît. Laisse ce meuble tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Déambuler. Regardez, va déambuler aussi. T'as acquis la compétence réflexion, magnifique. Donc quand elle joue avec un meuble, elle a acquis la compétence réflexion. Attendez, attendez, les gens. Hop. Toi, non, toi, parce que tu vas en avoir besoin plus. Va nettoyer. Et ça aussi. J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête. Qu'en penses-tu? Hop. Alors les deux à la fois, quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer à me préparer? Commencer à t'entraîner. Trouve la tenue ninja. Trouve un ninja pour t'entraîner. On va faire ça. Super. Super. Alors, voilà, va nettoyer tout ça. Toi, tu as faim. Mais ils ont pas mangé ce matin? C'est dingue ça. Prends une portion. Toi, tu dors. Toi, tu vas avoir envie de dormir. Toi, tu vas avoir faim. Et toi, tu vas avoir envie de dormir. Donc, bon, écoute. Ah, on va au travail, mince. Donc finalement ton anniversaire c'était pas maintenant, mais du jour tu vas le fêter, tu vas revenir pendant que t'es au travail. Bref, c'est pas cette semaine qu'on va avoir la promotion. Heureusement qu'il va pas mourir dans pas longtemps. Parce que. Bon, et toi tu te. Voilà, t'as fini de manger. Qui a faim? Attendez. Qui a faim? Toi tu as faim. Ah, attendez, attendez, on va faire dans l'ordre. Toi, viens ici. C'est qui a faim? C'est toi? Non, c'est toi. Donc c'est toi qui as faim. Donc tu viens. Ah, va le prendre dans tes bras. Prends-le dans tes bras, s'il te plaît. Dépêche-toi. Allez. Voilà. Tu vas le poser ici. Non, laisse les autres. Non, mais. C'est pénible. Je sens que ça va être très pénible. Alors quand je te dis de prendre un dans les bras, déjà, hein, tu attends. Ici, voilà. Hop. Je rachète un lit pour Bamba en fait. Qu'est-ce que tu. Oui, bon, allez dormir. Allez. Mettre au lit Rowena. Alors attendez, Rowena. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant, on va lui apprendre à aller sur le pot. Vas-y, hop, toi, super, tu vas manger tout seul, c'est génial. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais sérieux? Non? Ils sont pénibles là, là ça va être très pénible. J'aime bien qu'ils soient indépendants, mais quand même. Quand je te dis de faire un truc, tu fais pas le contraire. Bref, bon, au moins on aura eu ça. Hein. Hop. Bon, tu la prends et tu vas lui la mettre sur le pot, s'il te plaît. Merci. Oh là là.
Et après, je te préviens, t'as la lessive à faire, alors c'est pas maintenant que tu vas t'amuser. C'est pas maintenant que tu vas t'amuser. Toi, par contre, tu t'es fait dessus, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, à mon avis. Mais déambule un peu, il va venir te chercher après. Quand madame aura. Non mais. Sérieusement? Non mais là, il y a un bug, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un bug. Bon, tu te dépêches, toi, de faire sur ton pot, là? Oh, ils sont pénibles. Mais on sait qu'il a vieilli, ça fait 10 minutes qu'il a vieilli. Et toi aussi, t'as vieilli. Super, alors t'as eu ton gain de performance et après tu viens. Bref, tant mieux. Alors attends, 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 attends. Non mais. Stop, stop. Non mais sérieux. Là, stop, 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 stop. Bon, ce qu'on va faire. Là, il commence sérieusement à me gaver. Entre l'autre qui a envie d'aller aux toilettes alors qu'il pourrait y aller tout seul. Le monstre sous le lit qui arrive tous les soirs alors qu'avant il était jamais là. Ça commence un peu à me gaver. Donc on va s'arrêter là avant que je casse tout. Et on va repartir sur de bonnes bases au prochain épisode. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Hein, vous m'aurez vu un petit peu galérer. Hein, demain, pardon. Bah demain pour eux, oui, c'est l'hiver. On va commencer une période difficile. En plus d'avoir les bambins et les enfants qui font n'importe quoi, tout et n'importe quoi, qui viennent nous embêter. Alors qu'on n'a plus que deux adultes. Hein. On va espérer qu'Augustus puisse avoir sa promotion rapidement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Au niveau des bambins, je pense qu'à mon avis, on n'aura pas le même trait que les deux autres, hein, parce que ça va être un peu compliqué, vu déjà comment c'est compliqué quand ils font tout et n'importe quoi. Mais bon, hein, on va y arriver. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bah, si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit j'aime sous la vidéo. Et bien nous, on se retrouve, enfin j'espère, au prochain épisode. Salut!